sur Snapchat Roblox. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Snapchat Roblox. Regardez ma belle petite maison. En plus je crois qu'il y a ma fangirl qui est présente aujourd'hui en ville. En plus je crois que j'avais entendu dire qu'elle avait reçu une promotion à son travail. Je suis pas sûre de ça. Faudrait que je lui demande d'ailleurs comment elle va. Je vais lui demander tout de suite. Hé, toi là Léa, abonne-toi à la chaîne, on rush les 10 000 abonnés. En plus, si tu mets un commentaire comme quoi tu veux plein de Robux, ben y a plein de Robux qui vont arriver sur ton compte, alors abonne-toi à la chaîne, mets plein de commentaires et like la vidéo. Ouais, mets plein de commentaires et like la vidéo, dépêche-toi. En plus, y a ma chaîne Brookhaven RP qui est ouverte, je sors très bientôt une vidéo dessus, alors abonne-toi aussi à la chaîne et mets plein de commentaires, oublie pas de mettre plein de commentaires aussi. Voilà, je vais lui dire salut ma fangirl et je vais lui envoyer directement sa petite réponse. Et puis en fonction de sa réponse, et ben on ira voir. Ah, je crois qu'elle m'a répondu. J'ai eu une promotion aujourd'hui. Oh, c'est bien ce qui me semblait, qu'elle avait reçu une promotion. Super. Bah du coup je vais aller la féliciter. Je vais directement aller chez elle parce que en plus je crois savoir où est-ce qu'elle habite. Hein. Elle m'avait dit ça la dernière fois qu'elle avait acheté une maison pas loin de chez moi, justement parce qu'elle aimait trop venir me voir et tout en cachette. Elle est trop bizarre. Hein. Elle est trop bizarre ma fun girl. Bon, je crois que c'est juste cette maison juste ici là, regardez-moi ça. Du coup on va aller voir ma fan girl. Pourquoi il y a une voiture devant la maison de ma fan girl? Attendez oh attendez, mais il y a quelqu'un devant chez elle. Attendez, je vais me rapprocher, je vais essayer d'aller écouter ce qu'ils disent. Attendez, c'est qui sonne chez moi là? Attends, il y a quelqu'un qui sonne. Ouvre-moi bébé. Ouais, je vais ouvrir tout de suite. Salut. Mais c'est qui ce mec? Salut, je t'avais vu la dernière fois sur la route. T'es super belle. T'es tellement belle que j'ai acheté des fleurs pour toi. Oh, mais c'est mes fleurs préférées. Oh, je peux sentir. Wow. Oui, bien sûr, tu peux sentir. Wow. Et attends, c'est ta voiture, ça? Ouais, c'est ma voiture de super riche. Oh, non, mais c'est quoi cette voiture de fou? Mais t'es super riche. Ouais, je suis super riche. C'est une Lamborghini plaquée or. Mais tu veux me tuer ou quoi? Attends, je suis en train de tomber sous ton charme, là. Waouh, relève-toi. Le sol est trop sale pour que tu t'allonges dessus, en fait. Oh, ok, ouais, je comprends. Oh là là, incroyable. Vas-y, tu peux venir rentrer chez moi, t'inquiète pas, vas-y, viens. Ok, j'arrive. Oh, mais quoi? Mais qu'est-ce que je viens d'assister? Oh non, moi, j'accepte vraiment pas ce qui vient de se passer. C'est moi ou le mec, il était en train de flirter avec elle et là, elle allait clairement tomber dans le panneau alors que de base, elle est fan de moi. Mais c'est vraiment trop bizarre. En plus, elle était trop fan de sa voiture. Regardez, en plus, elle est vraiment trop stylée, là. Elle est vraiment plaquée or et tout, comme il a dit. Oh non, je crois qu'il est vraiment super riche et elle a l'air de kiffer ça. Attendez, parce que je crois qu'elle a laissé les clés de son garage ici. Hop, voilà, parfait. Je vais rentrer dans son petit garage et je vais aller voir ce qu'ils sont en train de faire à l'intérieur. Mais oh non, j'ai peur de voir ce qu'ils vont faire. Bon. Et toi, tu fais quoi dans la vie en fait? Ben, moi, je suis manager d'une grosse entreprise. Tu connais peut-être pas le nom, mais voilà, en fait, on fait de l'import-export et. Import-export, ok. Ça, on fait beaucoup d'argent et moi, je récupère beaucoup d'argent. Ah, ouais, t'as beaucoup d'argent quoi, en gros, c'est ça. C'est ça, je suis super riche en fait. Ah oui, je te propose un truc, moi vu que j'aime beaucoup les gens qui travaillent bien dans la vie et tout. On va essayer de passer. Je te propose qu'on fasse un petit date. Un date? Quoi, un date? Oh non, ils vont m'entendre. Oh, c'est quoi que j'ai entendu? J'ai entendu quelque chose par là-bas, attends, je vais aller voir. Non, ils vont me voir. Ok, je t'attends. Ça doit être sûrement la fenêtre, un truc comme ça, je vais aller voir. Non, il y a personne ici. Je suis pas là. Mes lingots d'or sont toujours là, parfait. Ouais, non, c'est tout bon. Okay. Mais comment ça, des lingots d'or? Je suis sûr que c'est lui qui lui a payé les lingots d'or, là. C'est lui qui m'a payé les lingots d'or, il est trop gentil. Quoi? Oh non. Bon, je vais continuer d'aller voir. J'espère qu'elle est pas là. Non, c'est bon. Mais n'importe quoi là, ce qu'ils sont en train de faire. Moi j'aime pas ça. Je vais encore écouter là ce qu'ils vont faire. Comment ça, ils veulent faire un date? Tu viens me faire un petit tour? Tu me fais faire un petit tour avec ta Lambo? Ouais, bien sûr. Je vais t'emmener faire un petit tour avec ma Lambo de super riche. Vas-y, viens. Ah, trop cool. Oh non, regardez, il va l'emmener faire un tour avec son petite voiture là, la voiture super riche là. Oh non, bon, je vais me cacher, je vais les suivre. Allez, vite. Oh, faut que j'aille à ma voiture, comme ça je vais pouvoir les suivre. Allez. Oh non, en plus il va vite avec sa voiture, elle est super rapide. Bon, allez, on va les suivre. Parfait. Oh, j'ai eu le temps de monter dans ma voiture.
Le moteur, il gronde, le moteur. Ouais, là, t'as vu ça, je le fais gronder comme jamais. Ouais, tu fais gronder de fou, j'aime trop. Mais quoi? Et t'aimes bien la vitesse de... Ouais, la vitesse de malade, ça va carrément dans mes cheveux. Oh, elle a l'air de vraiment kiffer sa voiture. Oh non. Bon, vous savez quoi? Je vais continuer de les suivre et je pense que je vais ressortir avec un petit plan. Comme ça, faut qu'elle oublie ce mec super riche, là. Faut vraiment qu'elle l'oublie, hein. Parce que je veux pas qu'elle sorte avec ce mec là, il est trop bizarre. C'est pas du tout parce que je l'aime et tout, non, moi je l'aime pas, hein. C'est juste parce que bah j'ai pas envie qu'elle sorte avec un mec super riche et super bizarre comme ça. Non, moi j'accepte pas ça, hein. Ouais, allez, je vais me rapprocher d'eux parce qu'il commence à aller super vite. Oh là là là. Allez, hop, oh, OK. Regarde, ça c'est l'église où je vais te marier. Oh, tu vas me marier ici, c'est vrai? Ouais, je vais te marier ici, ouais. Ouais, mais on va pas aller aussi vite ensemble, hein, quand même, il faut aller doucement. Il faut aller doucement, mais il faut planifier les choses. Et comme ouais, je suis super riche, t'auras un mariage de super. Oh, tu m'amènes voir la vue. Oh, la vue vers la plage. Oh là 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 là, loulou. Oh là là, oh loulou. Ouais, je veux ça, ouais. Et ça, c'est là où je fais mon sport journalier, parce que je suis riche et j'ai du temps libre. Ouais, je suis musclé. Tu peux toucher mon pectoral si tu veux. Oh, ah ouais, le pec. Quoi? Ah ouais, le pec, mais musclé. Ah non, ouais. Tout, quelqu'un va pour qu'elle touche son pectoral. Mais c'est trop bizarre. Non, moi j'accepte pas ça. Moi, hein. Bon, je pense qu'on a fait un petit tour, c'est plutôt sympa. On va boire un petit coup. Ouais, tu veux aller où exactement? Au café, là, juste derrière toi, il y a un petit café sympa. Ouais, oula, 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 oula. Je suis tellement riche que je m'en fous des gens qui sont derrière moi. Ah ouais, mais toi, t'es vraiment en fait le dieu de Snapchat Roblox en fait. C'est ça, en fait, je possède Snapchat Roblox. Ah ouais, attends, c'est aussi une de tes entreprises. Ouais, c'est une de mes possessions en fait. Oh là 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 là, je retombe sous le charme, voilà, hop là. Oh non, mais non, mais non, mais. Oh non, mais relève-toi, hop, relève-toi. Je suis caché, allez, je suis caché. Allez, viens, je t'emmène. Oh, elle est vraiment en train de tomber sur le charme du mec, là. Oh non, j'espérais, il va vite la ramener chez elle, hein. Après avoir bu, là, comme ça, moi, je pourrais préparer mon plan, là. Et je pense que j'ai une petite idée, je vais te vous dire ça très, très bientôt. Mais d'abord, j'ai envie de voir, là, comment ça va se finir entre eux, là. J'ai pris un petit truc à boire, j'avais soif. Ah ouais, t'aimes bien ce que tu bois? Ouais, en plus, bah, j'ai vu que... T'avais déjà payé, en plus, hein. Ouais, c'est ça, bah, écoute, j'ai beaucoup d'argent, donc j'ai beaucoup d'argent à dépenser. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Oh, mais attends, mais t'es tellement galant. En plus, tu viens, tu m'amènes avec une lambeau. Je suis traitée comme une princesse, en fait. Écoute, les princesses méritent d'être traitées comme des princesses. Maintenant, comme je t'ai dit, si tu veux, on peut toujours aller se marier. Je vais réfléchir. Je vais saccager sa voiture. Je vais saccager sa voiture. Allez, hop, hop là, je lui casse ça. Allez, voilà, je lui crève le pneu. Allez, hop là, c'est bon. Allez. Tu peux me ramener chez moi, ouais, j'ai besoin de temps pour réfléchir et voilà quoi. Y'a pas de souci, écoute, prends bien ton temps, je vais démarrer la voiture. Allez, tu sais quoi, moi je rentre carrément chez moi maintenant, je vais même pas voir la fin de leur date là, nulos. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai, j'ai crevé son pneu. Bah je suis trop bête, regarde, il peut pas avancer. Oh, le nulos. Bah t'avances pas ou quoi? Bah je peux pas, y'a quelque chose qui bloque là. Y'a quelque chose qui bloque la voiture. Quoi, là? Attends, je vais sortir, je vais vérifier. T'inquiète pas. Voilà, parfait. Comme ça, va arrêter de l'aimer, voilà, parfait. Mon pneu, il est crevé. Qui c'est qui a crevé mon pneu? Qui c'est qui a fait ça? Voilà, parfait, là, tiens, bien fait, John, là. Je crois qu'il s'appelle John, en plus. Oh, bien fait pour lui. Allez, moi, je rentre chez moi. Allez, salut, les nulos. Je vais aller préparer mon petit plan. Et comme ça, elle va tomber sous mon charme et pas le sien. Non, mais elle est pas bien, celle-là, ou quoi? Oh non, et moi je peux pas, hein. Moi faut qu'elle tombe sous mon charme mais pas le sien. C'est pas bon pour elle en plus, hein. Je dis vraiment pas ça parce que je l'aime, hein. C'est vraiment pas vrai, je l'aime pas du tout, hein. Ah, je suis enfin rentré chez moi et là je vais pouvoir vous dire mon petit truc là que je veux lui faire là. Franchement là, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Je pense que je vais organiser un faux mariage. Comme ça, elle va tomber sous mon charme et elle va directement accepter. Comme ça, je vais la marier et comme ça, elle pourra pas se marier. Elle va oublier l'autre, là, l'autre nulos de riche. En plus, je vais venir en mode super chic et tout, super beau. Et je vais lui offrir plein de cadeaux. Comme ça, elle est sûre de tomber sous mon charme à moi et pas le sien. Mais bien sûr, c'est un faux mariage, hein. C'est pas un vrai, c'est un faux, d'accord.
d'accord, c'est un faux. Bon, je vais directement aller dans mon dressing et je vais aller m'habiller. Je vais préparer la fausse bague, du coup, pour lui donner. Allez, hop là. Et hop là. Regardez-moi comment je suis trop stylé. Je suis vraiment trop frais, sérieusement. Non, mais notez en commentaire sur combien, là, vous notez ma petite tenue de beau gosse, là. Je suis vraiment trop stylé. En plus, regardez-moi ça. J'ai préparé le sac avec plein de cadeaux à l'intérieur. Bon, faut pas le dire, mais c'est des faux cadeaux, hein. C'est pas des vrais bijoux et tout, hein. Moi, j'ai pas l'argent, hein. En plus, c'est un faux mariage. Je veux pas lui acheter des vrais trucs. Elle est malade ou quoi? Mais on va lui dire que c'est des vrais trucs. Comme ça, elle va bien y croire. Bon, vous savez quoi? Je vais y aller maintenant. En plus, il commence à faire nuit. Du coup, bah, c'est encore plus romantique. Imaginez, je fais ma petite demande de mariage la nuit. Oh, ouais. Oh, ça, j'aime trop, hein. Allez, hop. Ah, non, je vais pas monter derrière. Allez, hop, là. Voilà, dans ma petite voiture. Et du coup, on va directement aller chez elle. Et je vais la demander en mariage. Pour de faux, hein. J'ai bien dit pour de faux. Ah, regardez, je suis juste devant chez elle. Je vais garer ma petite voiture juste ici. Bon, elle vaut pas la Lambo à je sais pas combien de millions dorés et tout, mais au moins, elle est quand même stylée. Hop, tac, tac, tac. C'est qui sonne chez moi? J'espère que c'est John. Je suis tellement amoureuse. Bon, j'espère que c'est John. Salut, beauté. Ah, salut, Moïse, ça va? Ça va ou quoi? Moi, ça va super. Ça va bien, ouais, ok. Pourquoi t'es aussi jolie comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, en fait, j'ai réfléchi dernièrement, en plus que t'as eu ta promotion et tout, je voulais te faire un petit cadeau, mais au final, je suis venu avec une autre idée encore mieux. Et en fait, bon, il faut qu'on s'assoie dans ton canapé, d'accord? Et tu vas être choquée, hein. Oui, tu peux venir dans mon canapé, vas-y, viens. Allez, hop, juste ici. Bon, est-ce que t'es prête à ma petite nouvelle, là? Ouais, vas-y, dis-moi. Alors, en fait, j'aimerais que... Ah, c'est dur à dire. Pourquoi tu stresses d'un coup, je comprends pas. Non, mais... Non, mais t'inquiète. On pète un coup, oh. Ah ouais, bah ok, bah je vais le dire. En fait, j'aimerais qu'on se marie. Oh, quoi? Ce jour est arrivé. Oh là, je vais me marier avec Moïse. J'attendais ça depuis si longtemps, je suis tellement fan de lui. Je regarde toutes ses vidéos et tout, je suis abonnée, j'ai activé la cloche, j'ai mis un like et tout ça. Oh là 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 là, non, mais c'est pas possible. Ah ouais, t'es vraiment fan de moi, t'as l'air vraiment d'être fan de moi, hein. Bah oui, je suis ta fangirl numéro 1. Ah bah ouais, bah j'espère que tu vas pas te marier avec quelqu'un d'autre, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, il y a personne d'autre que toi. D'accord, bah c'est parfait. En plus, je t'ai pris plein de cadeaux. Regarde, hop, il y a plein de bijoux et il y a même la bague de mariage. Mais non, arrête, hein. Ah bah si, hein. Bah si, hein. Non, bah qui, hein. Arrête. Tiens, prends. Merci. Oh, Stonks. Oh, bah ouais, t'aimes Stonks. Bien. C'est super Stonks, hein. C'est vraiment super Stonks. Lâche Stonks. Ah, c'est vraiment Stonks. Lâche vraiment Stonks. Ah ouais, super Stonks. J'espère que t'aimes bien tout ce que je t'ai donné là, hein. Ouais, je vais ouvrir ça, hein, parce que là maintenant que je suis Stonks, bah voilà, c'est. Ouais, c'est super Stonks, hein. Là, y a pas de truc grunge. Non, y a rien de grunge. Non, y a rien de tout ça, non. Ouais, je me doute, hein. Et d'ailleurs, il y a même ta robe de mariage dedans déjà, en fait. Hein. Oh, Stonks! Sans Stonks! Bon, non, ouais, c'est parfait. On, hein. On se marie quand, du coup? Un petit chou à la crème glacée. Faut qu'elle se calme. Faut vraiment qu'elle se calme parce que c'est un faux mariage. J'ai pas non plus envie de l'embrasser ou quoi. Tu veux l'embrasser, t'as dit? Non, mais au mariage, t'inquiète pas. Au mariage? C'est quand on se marie? C'est demain. Ouais. C'est long demain quand même. Non, je rigole. C'est dans 15 minutes. Oh, Stonks. Ok, bah c'est parti. Faut déjà que tu te mettes. Ouais, va te préparer. Va mettre la robe de mariage que je t'ai achetée. Je t'attends. Oui, je t'attends ici, ok? Oui. Ouais, je vais me marier. Yeah. T'as bientôt fini là. Le mariage il commence super bientôt. Oui. Bon, je me suis apprêtée pour toi, mon amour. Ah, regarde comment je suis belle. Oh, t'es vraiment super belle. En vrai, je m'en fous, mais... Ouais, t'es super belle. Arrête, tes bêtises. Mais si, t'es super belle. En plus, j'ai commandé quelque chose pour toi qui t'attend juste devant. T'es prête? Ouais, qu'est-ce que t'as commandé pour moi, mon amour? Regarde, une limousine.
Anne. Oh, qu'est-ce qu'elle est longue et grande. C'est vrai, t'aimes bien. Bah, tant mieux si t'aimes bien. C'est une limousine, en fait. Ouais, exactement. C'est une limousine. Oh, c'est une limousine. Oh. Ouais, exact. Oh, je la connais, cette voiture-là. Attends, mais je vais me marier avec toi, là, on est d'accord? Exactement, tu vas te marier avec moi. Oh, mais incroyable. Attends, il y a ma robe de mariée qui touche le sol de l'autoroute. Non, je l'ai coincée sur la porte de la voiture. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, je t'en rachèterai une autre un jour. Oh oui, oui, moi, oui, s'il te plaît. Voilà, on est garé. Parfait. Ok. Parfait, ça sort pas du tout du truc, parfait. Allez, viens, on va aller se marier, là. En plus, j'ai déjà demandé au prêtre, là. Enfin, pas le prêtre, mais le mec, là, et il est prêt, là. Regardez, regarde-moi ça, il est trop beau. Ah ouais, mais... ok, ouais. Hey, bonjour, mes enfants. Que vous amène-t-il aujourd'hui? Mais tu le sais déjà, on est là pour se marier. Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié, excusez-moi, je suis un peu bête. Ah alors... Marie-nous. Ça va arriver. Elle a l'air très contente, votre compagne. Ouais, elle est super contente qu'on se marie. Elle est fan de moi, en fait, je vous explique. Et du coup, bah, on va se marier, là. Ok, donc on va... vous êtes prêts pour commencer la cérémonie? Oui, on est prêts. T'es prête, toi, ou pas? Ouais, je suis prêt. Parfait, elle est prête. D'accord, et bah, pour commencer, vous allez commencer par vous regarder dans le blanc des yeux. D'accord. Et voilà, et je vais commencer à réciter le serment. Alors, dans le malheur, non, comme dans la joie, dans la peine, dans la richesse et la richesse. D'accord. Il galère de fou. Pour le meilleur et pour le pire. D'accord. Ok, répétez après moi, monsieur le requin rouge. Oui, je répète. Alors, regardez là dans les yeux et dites... Je promets de t'aimer. Je promets de t'aimer. De te chérir. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous empare, c'est ça? Ouais, c'est ça. Exactement, c'est ça. Ok. Let's go. Je crois que c'est à ton tour, là. Et vous, madame, vous devez répéter la même chose. Est-ce que vous voulez que je vous aide? Oui, redites. Ok, répétez après moi. Je promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je te promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Non, fais-moi un bisou, maintenant. Malian, vous pouvez embrasser la mariée. C'est bon, je fais un bisou. Je vous déclare officiellement mari et femme. Voilà. Félicitations. Voilà, parfait. Super. On me fait tomber dans les pommes. Non mais c'est pas grave, vas-y viens, je t'emmène dans la limousine. Oui, c'est bon. Ah, je suis trop contente. Bon, par contre, j'ai un peu le vertige. Viens sur mon dos, je vais t'emmener dans la limousine. Allez, c'est parti. Ok, elle est là, la limousine. Ok, parfait. Bon, tu vas te mettre dans la voiture et tu vas m'attendre. Faut que je parle vite fait avec le monsieur, d'accord? Oui, pas de souci. Ok. Ouh. Oh, mais non, mais moi j'en peux plus. C'est un faux mariage et tout, et j'ai dû l'embrasser. Oh non, moi je suis pas d'accord avec ça. Bon, attendez, faut que je parle avec le monsieur, là. Bonjour, monsieur, là, bonjour. Re-bienvenue. Oh, merci de m'avoir fait le faux mariage. Tiens, je te donne un peu d'argent. Tiens, pour le faux mariage. Ça, j'aime bien ça. Allez, vas-y, prends. Vas-y, prends dans les poches, tiens. Hop, merci beaucoup. Voilà. Et tu dis à personne que c'est un faux mariage, ok? Non, je garde ça pour moi. Vous êtes tout secret professionnel. D'accord, super. Par contre, t'es un méchant hein, de m'avoir fait embrasser, hein, de me l'avoir fait embrasser. Hein. Moi, je voulais pas. Hein. Ah, bah ça, c'est votre faute. Fallait que je sois crédible. Ouais, bon, vous avez raison. Bon, bah merci encore hein, pour le faux mariage. Je t'en voudrais ça. Ouais, pour l'argent, ouais. Je t'en voudrais ça, t'inquiète. Oh, enfin, tranquille. Allez, moi, je vais rentrer chez moi. Je t'ai préparé une petite voiture, là, comme ça, tu peux rentrer chez toi, ok? Ah, tu me raccompagnes pas? J'ai un petit truc à faire avant et après, on se rejoint, ok? Ouais, d'accord, très bien. Salut, Moïse. Ouais, salut, on est mariés. Haha, super! Ouais, salut Moïse, salut! Oh, je suis enfin débarrassé d'elle! Et elle sortira pas avec le John bizarre! Oh, super! On est enfin tranquille! Et en plus, c'est un faux mariage, du coup, voilà, j'espère qu'elle le saura jamais que c'était un faux mariage! Bon, en attendant, les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo! N'hésitez pas de mettre un like, un commentaire et de vous abonner! Et moi, je vous dis à la prochaine! Allez, ciao!